Et toi, c'est la magie. Et moi, et moi, et bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est toujours là. On partage, on partage, on partage, on partage. Salut, salut, salut. Salut. Ouais, salut Yannick. Nous, on est toujours là. Hein. On partage, on partage, on partage, on partage vite fait. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est comme le Cameroun. Donc, en fonction du degré de température que tu peux donner au Cameroun, voilà, tu nous l'attribues aussi. Tranquillement. Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Salut à vous, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, pour cette énième discussion, c'est très important. J'estime, je prie que je ne sois pas très très long. Il y a tellement de sujets, tellement, tellement de sujets. Mais on va essayer d'évacuer vite fait. Déjà, je tiens à rappeler, la rencontre sur Bruxelles, c'est le 18 pour le cas du Cameroun. Donc nous avons tout organisé pour la rencontre du 18, vendredi le 18 à partir de 11h. Voilà, sur Bruxelles. Donc j'ai vu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, d'autres qui ont même confondu, qui croyaient que c'était samedi. Non, c'est la semaine, parce que les présidents se rencontrent en semaine. Vous voyez, ils se rencontrent en semaine. Donc ceux qui peuvent ajuster leur temps, on a demandé à certains de la diaspora s'ils pouvaient demander des permissions, prendre des jours de congé, si c'était possible, un jour de congé. Voilà, c'est ce que la plupart vont faire. Donc vendredi, il faut qu'on soit là, on puisse manifester. Mais déjà, les autres communautés qui commencent demain. J'ai eu l'occasion de travailler avec une communauté. Ils sont vraiment très très mobilisés, très engagés. La communauté congolaise, ouais, ils sont très très engagés, très mobilisés. Et ils vont même faire sur 2 jours. Voilà, donc ils vont faire sur 2 jours. Et j'ai eu la chance de travailler un peu sur la logistique avec eux aujourd'hui. Là, on a vraiment discuté avec certains. Donc les Africains se mobilisent, les Maliens, tout le monde se mobilise franchement. Franchement, le retour que nous avons, les Africains se mobilisent. Donc demain, les autres vont commencer. Mais je pense que vendredi, il faut vraiment que ce soit bondé. Donc nous, les Camerounais, vendredi, et je remercie tous les aînés, tous les grands frères qui sont en train de travailler pour cette mobilisation de vendredi, tous ceux qui s'impliquent pour la mobilisation de vendredi. Merci sur Bruxelles. Il faut que nous répondions massivement présents. Aussi vrai qu'on doit parler, dénoncer ce qui se passe, nous devons présenter de manière individuelle le pays, le cas de chaque pays. Le Cameroun n'est pas en reste. Le Cameroun, il y a vraiment un problème. Il y a une sorte de conspiration du silence sur le cas du Cameroun. Donc il faut que la diaspora camerounaise se mobilise aussi vendredi. Nous devons crier, nous devons interpeller, nous devons interpeller ces dirigeants, on doit parler. Donc en tout cas, moi je suis prêt, les autres sont prêts, beaucoup sont prêts. Donc nous on vous attend, on vous attend, on vous attend. Et ceux qui peuvent vraiment se libérer, n'hésitez pas. Et ceux qui viendront de partout, n'hésitez pas, organisez-vous. Moi, je sais que les combattants en France s'organisent très bien. Ils sont en train de s'organiser. Tous, ils vont venir vraiment en délégation pour question de véhicules, etc. Vous qui êtes de partout, n'hésitez pas à être là. Donc, nous, on vous attend. On sera là, on vous attend. Ça, c'est l'information à donner. Et l'autre information, je reviens sur le boycott des artistes. Il est clair, hein, il faut qu'on se le dise. Il est clair, nous n'avons pas lâché le boycott des artistes. Donc la base continue toujours. La base continue toujours à boycotter les spectacles ici en diaspora. Donc c'est pas fini. Parce que le ciel du Cameroun s'est obscurci, c'est pas encore fini. Il n'y a pas encore de lumière au Cameroun. Tant que ça va perdurer, nous n'allons pas accepter que les gens viennent ici tranquillement, puiser de l'argent, fêter, s'amuser, célébrer comme ils font au pays. Au pays, ils peuvent le faire, ils peuvent s'amuser, ils peuvent célébrer pour montrer notre visage. Mais nous ici, nous sommes en deuil,
Nous sommes tristes, nous sommes abattus, nous sommes amoindris pour ce qui se passe au Cameroun. Et nous avons décidé que pour le moment, tout est stop. Ça, c'est clair. Et on avait souhaité vraiment discuter pour qu'on se fasse. On avait souhaité discuter avec les organisateurs des spectacles, mais comme ils sont condescendants, ils ne veulent pas y penser. Maintenant, on va faire ce qu'il y a à faire. Donc, je vais dire à celui-là qui gesticule trop, aussi vrai qu'il est barando, qu'il sache que nous aussi, nous sommes des barando. Donc, nous, on va s'essouffler, on va transpirer, pardon, c'est l'occasion pour nous, parce que toi, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Ça, il faut, ce qui est bien quand même avec la résistance, c'est que nous, au moins, on croit à un idéal, on croit à un objectif. On peut se battre pour ça, on peut donner de notre vie. On n'a pas de problème. On a tellement de procès sur nous, comme ça, ici-là. On s'en fout. On est habitué, c'est notre combat. Donc, quand quelqu'un lance encore le défi, le bras de fer. Non, non, non. Nous, là, ça choque. Et moi, j'évitais personnellement de parler encore de ce sujet. Il me dit, ok. Mais comme le gars veut montrer qu'il est condescendant, qu'il peut tenir, il n'y a pas de souci. On va s'amuser tous. On va transpirer ce jour. Voilà. Mais ça, là, il n'y aura pas son spectacle. Il n'y aura pas. Nous, là, après, là, on se prépare seulement pour ça, pour aller s'échauffer. On va transpirer. Parce que nous, on n'a pas seulement l'argument, on n'a pas seulement la force de l'argument. On a aussi l'argument de la force. Tu entends ça? Voilà. Nous-mêmes, on était sales. Donc, le ghetto va nous rattraper. Donc, nous, on finit là. Avec la politique là. On attaque le terrain. On est partout. C'est ce que j'aime chez nous. Nous, on est polyvalents. On attaque tous les terrains. Parce qu'on s'en fout de tout le monde. Nous, le plus important, c'est le combat qui nous intéresse. Tu ne peux pas venir narguer les Camerounais que tu cherches l'argent. Qui ne cherche pas l'argent? Qui ne sera pas content de chercher l'argent? Qui n'a pas de famille à entretenir? Qui n'a pas des gens et des proches à entretenir? Vous croyez que c'est un plaisir pour nous de se mettre en spectacle, de faire ce que nous sommes en train de faire? Mais non, c'est parce que nous croyons à un objectif, nous croyons à un idéal. Mais le moins, on ne vous demande pas. Nous, on ne vous demande pas. Parce que vous dites, oui, nous sommes en politique, machin, tu es imbécile. En politique de quoi? Fiction juridique, ça n'existe pas. On vous trompe avec vos histoires, il n'y a personne qui soit politique. C'est une fiction. C'est une fiction juridique. Arrêtez ça. Je suis à politique, machin, truc. Tu as politique. Ok. Considérons que tu as politique. Comme tu veux l'estimer, donc. Mais maintenant, tu as des gens qui sont en train de mourir autour de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de dire au moins ce que tu n'es pas d'accord, de lancer une campagne? Non, on a vu des artistes, hein, qui sont nombreux, qui sont engagés, qui pouvaient fermer leur bouche, rester tranquille, mais qui ont décidé de se sacrifier. Même si tu peux te sacrifier, il y a quand même des histoires. Quand tu respectes un combat qui est nôtre, tu te calmes. Moi, j'ai l'impression, on va tout dire. Mais franchement, le dernier boycott qu'on a fait, moi, il y a la fille de Muriel Blanche. Personnellement, je salue, j'apprécie l'attitude de cette fille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour elle. C'est vrai, c'est arrivé, ce désagrément, c'est arrivé. Ce truc, on avait lancé notre mot d'ordre. On l'avait fait. C'était pas dans une logique. Mais la fille a compris. Parce qu'elle a d'abord organisé, elle a voulu organiser à Bruxelles. Nous sommes venus. Elle a lancé, elle dit qu'elle va aller en France. Après, elle a envoyé justement les messages. Elle a dit vraiment à ses fans. Moi, je suis pas en train. Je sais pas qui c'est. C'est Muriel Blanche, je sais pas. Je me rappelle pas trop de la chanteuse. La fille a dit, elle a fait un post. Hein. Elle a dit, mes fans, vraiment, moi, je ne veux pas aller dans une logique de confrontation. C'est qu'ils ont décidé, hein. J'accepte. Je reste pour le bien du Cameroun. Je ne veux pas qu'à cause de moi, les Camerounais, franchement, vous croyez que je n'aurais pas d'estime pour de telles personnes? Vous croyez que je ne respecterai pas une telle fille? Je ne respecterai pas. Pas parce qu'elle est forcément d'accord avec nous. Pas parce qu'elle apprécie forcément la méthode. Mais la fille a compris que non, mais les gars, on peut tout dire, on peut être critique avec eux. Mais est-ce que le message, le discours qu'ils portent, ce n'est pas un discours soutenu par le peuple camerounais? Ce n'est pas un combat noble, c'est qu'ils sont en train de mener. Ne serait-ce pas le respect de leur combat. Je préfère me calmer. Je ne veux pas qu'au travers de moi, je sois un scandale. L'autre allait faire poil. Mais c'est un cas. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Malgré qu'elle était. Ça n'a pas été ce qu'elle attendait. Elle va tout dire. Ça n'a pas été parce que toute la communication était centrée. Donc les gens même venaient là-bas pour le défi, pas à cause de ses livres ou bien par le message qu'elle devait produire. Son tour, c'était un fiasco parce que les objectifs qu'elle attendait, ce n'était pas ça. Tout était orienté sur le boycott. C'est nous qui avons attiré l'attention.
Et les gens sont même venus là-bas par défi. On ne venait pas écouter son message, on ne venait pas. Vous avez vu que tous ceux qui étaient à l'intérieur faisaient juste des photos, des trucs, genre pour nous narguer. Mais il y a des gens qui sont sortis là-bas étant humiliés. Il y a une confrontation. Ben, elle ne pourra jamais dire qu'elle a battu. Parce que tu ne peux pas battre un combat. Est-ce que nous, ça nous empêche de continuer? On va boycotter. Donc toi, tu sors, tu viens nous narguer, tu dis, tu as produit, tu cherches. Mon ami, peut-être tu ne connais pas. Tu ne connais pas les gars de la diaspora là. On va être là, on va te répondre. En tout cas, nous là, on finit politique là, on vient. D'abord même, c'est ça qui est notre ADN dans le combat. Tu vois que s'il y a plus de boycott là, tu vois que le mouvement là va vivre comment? Notre mouvement là va vivre comment? C'est clair? Donc maintenant là, tu nous donnes seulement les éléments de nous renforcer, de nous préparer. Et ne pense pas, parce que là, nous allons mettre des intelligents pour réfléchir à des méthodes, pour te mettre en défi, comme tu lances le défi. On va se concentrer sur toi comme on s'est concentré sur Katino. Va demander à Katino. Parce qu'il y a une chose. On respecte, c'est pas que nous on a un problème avec vous. Hein. Les artistes là, on n'a pas un problème personnel avec vous. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème. Tant que vous ne voulez pas que les choses s'arrangent pour le calme, vous ne pouvez pas rester silencieux dans cette conspiration de silence. Et dites-nous, Nadi, que vous êtes. Vous pouvez faire bousculer les choses. À un moment, vous pouvez faire bousculer les choses. Vous pouvez vous dire, OK, comme vous dites que vous n'êtes pas politique, vous êtes apolitique, vous n'êtes pas dans la politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés dans notre pays? Est-ce que les enfants ne meurent pas? Est-ce que les gens ne sont pas en train de tomber? Voilà le scandale qui s'est passé à Olimbe là-bas. Mais vous êtes subitement muet. Vous ne dites rien. Personne. Mais finalement, vous chantez alors pourquoi? Vous dites qu'au travers de votre musique, vous éduquez les peuples, vous sensibilisez les peuples, vous consolez les peuples. Mais les éléments aussi basiques de notre société, les difficultés, les souffrances, vous êtes incapables. Parce que c'est ça le rôle de l'artiste. Le monde a été bousculé et construit par des artistes. Et quand je parle des artistes, ce n'est pas seulement des musiciens. Tous ceux qui ont l'esprit artistique, qui ont de l'art. Parce que l'art n'est pas seulement l'art pour le beau. Mais l'art est la transposition d'une société meilleure. Donc quand tu as le don, ou bien tu as de l'art, cet art n'est pas là seulement pour te servir, mais c'est de servir à ta société. C'est la construction d'une société meilleure. Mais si ton art est là pour chercher le business, l'argent, tu es idiot et tu ne peux même pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Tu vas finir pour rien. Je dis, hein. Il y a même des gars qui ne sont pas talentueux. Mais qui ont compris le discours, qui ont compris le message du peuple, aujourd'hui sont adulés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé avec leur aimant, avec le peu de talent qu'ils ont. Ils ont décidé d'être en fusion avec ce peuple. Ils sont portés. Tout le monde peut te trahir, mais le peuple ne trahit pas quand tu lui es fidèle. Quand tu lui es fidèle, le peuple ne trahit pas. Je dis bien, quand tu lui es fidèle, le peuple ne trahit pas. Ne voyez pas les histoires, spectacles artificiels, tout ça, que les gens disent le peuple, non. Je dis, hein, pas le peuple fanatique. Pas les fanatiques. Je dis le vrai peuple conscient qui savent faire le discernement entre le faux et le vrai. Le jour où vous êtes en difficulté, ne vous lâche pas. Ce peuple vous soutient, vous porte. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie de ce peuple, vous êtes toujours positionné à l'endroit de ce peuple. Quelqu'un vient dire qu'il cherche son business, son gombo comme les nous autres. Toi, que si on cherchait notre gombo, on serait là.
Mon ami, ce qu'on fait là ne nous donne rien. Tu entends ça? Ce qu'on fait là ne nous donne rien. Les hommes même font ça. Peut-être, bon, ils ont leur autorité, ils veulent être star, ils veulent être les adultes, machin, tu aimes ça, pour leur visibilité. Nous, la visibilité, là, on s'en fout de ça. Si visibilité là donnait l'argent, c'est qu'on a beaucoup d'argent. Mais ça ne donne rien. C'est les conneries, c'est les salaires des cafés de commerce. Tu vois pas que nous, là, on est même trop rare sur les réseaux. Parce que la vulgarité aussi tue. On n'est pas comme d'autres. Matin, midi, soir, toujours là. Tu n'as même rien dit, tu sors. Un petit. Il y a un truc qui est sorti là. Oh, c'est le maire de. C'est le maire. On m'a appelé, on m'a dit que. J'ai aussi vu. Je vous ai dit que nous, on est tous japonais. J'ai dit non. Quand elle voit les photos là, non, je ne crois pas. La personne, j'ai dit non, je ne crois pas. Nous sommes, je sais, nous sommes gouvernés par les démons. Mais ici, là, je ne crois pas. Mais d'autres, ils ont pris ça. Sans même recouper l'information, sans avoir de prudence. Direct. Et la façon dont les gars parlaient, c'était avec certitude. D'autres te disent, je le connais très bien. C'est lui. Quand le démenti est sorti, ils ont disparu. Pourquoi? Le buzz. La primauté de l'information. Non. On ne s'accroche pas. On ne saute pas directement rien. Tu scrutes. Tu prends un recul. Tu analyses. En tout cas, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Vous la soyez scandalisés. Nous, on a été scandalisés depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau. Donc, calmez-vous. Donc, ce gars, nous serons à sa rencontre. On va être là. Comme il a lancé le défi, on va être là. Quand tu me parlais comme ça, là, à Nice, là, elle a même gonflé les pectoraux. Nous sommes allés 7. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour les enfants qui n'ont pas de père. Chantons. Hein? Au colo. 7. À Nice. Les invités, les VIP de Katino, quand ils ont vu 7, il y avait une seule femme. Général Barat à l'époque. Quand le général était encore général Barat. Elle est toujours. Il ne parle pas. C'est Marimé. On a fait feu là-bas. 7. Les nattes. Il y avait encore. Nous étions 7. C'est tout ce que c'est. Dans la voiture. On a tapé des kilomètres. C'est un fuel. On nous a laissé le matin, d'autres ont disparu, d'autres tremblaient. On dit on débat la voiture, d'autres tremblaient. Chacun le matin, petit matin, parce qu'on débat à 6 heures. Parce qu'on avait fini un boycott de Ben Descartes la veille. On dit maintenant continuons pour Nice. Parce que Katine avait menacé, elle a sorti, il y avait un monsieur, le gros bras, le mari du monsieur qui organisait. C'est un gars musclé jusqu'au rectum. Musclé jusqu'au rectum. Tu entends ça? Le gars fait la vidéo, je vous attends. Il était baraqué comme ça. Comme ça là. Le gars fait la vidéo. Je vous attends ici. Il y a certains combattants qui ont vu la vidéo. Les gars ont disparu. Ils ont disparu. Le matin, c'est... D'autres même dormaient avec nous. Hein. 5 heures. Non, 4 heures. Certains disparaissent. D'autres disent, je ne cite pas les noms. Ce n'est combien. Je ne cite pas les noms. 4 heures, tu vois quelqu'un sort doucement là. Comme
aussi pas uriné. On était à l'époque là, j'ai un grand soutien du combat. Le type nous a donné son salon condo à 4 heures. Parce que moi, dans des trucs comme ça, moi, je ne dors pas. J'ai mon petit là, toujours. Tu me dis que pourquoi tu ne dors pas. Mouf. Même si on est tous combattants, nous sommes tous des amis. Tout va arriver. Nous, on a toujours un petit œil. Parce qu'on ne sait pas. Toi, tu mènes ton combat. Nous, là, notre tête, là, nous, on change notre tête. Donc, j'étais sur le canapé, là, comme ça. J'avais l'œil. Tu vois comment quelqu'un se lève à 4 heures. Il fait comme s'il allait uriner. Le gars disparaît, pigeon. 5 heures, notre poupée, pigeon. Je ne sais pas. On ne nomme pas les contemporains. On ne sait pas. C'est quand même le COPS. On se lève. Il y a quand même cette OPS. On se lève. Moi, je suis si tranquille. Parce que nous, on connaît où? La chance que nous, on a, nous, on connaît le combat depuis le pays. Donc, on connaît le comportement. J'ai rien dans mon cœur. Or, les gars qui ont pigeon, la veille, c'est les gars qui disaient souvent, on va. Quand ils ont vu le direct du gars, parce que la femme qui organisait ça s'est rassurée de mettre, c'était son copain. Elle s'est rassurée de mettre son gars devant, qui nous intimide avec les muscles. Le gars aussi est sorti. Taps, avec le muscle. En tout cas, je vous attends ici. Et il était musclé jusqu'au rectum. Les gars des Catino, il y avait les autres, les machettes vont sortir, machin truc. Donc, c'est ceux qui étaient avec nous. Quand on a fini le boycott de Ben Ekari, comme le boycott de Ben Ekari, il n'y avait vraiment pas. C'était c'était celui qui organisait même était un combattant. C'était un gamin. Oui, je crois, Jean-Robin. Ouais, le grand frère Jean-Robin. Donc, lui, il avait dit que non, lui, il soutient le combat. Il a dit à Ben Ekari, ne venez pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'était Catino. On s'est 7 avec une seule femme, général Barat. J'ai dit, putain, c'est chaud, hein. On se lève à Tenga, dit, mais ils sont où, hein? Il a, le téléphone ne passe plus. Nia dit, on fait comment? On reste. On dit, on n'a plus le choix. Si nous ne partons pas, ce sera une défaite pour notre combat. Et vous savez, les nous autres, quand on est dans des stratégies comme ça, là où les gens peuvent, c'est là où nous on motive, on dope encore les combattants. Je dis aux combattants, si c'est la mort, on va mourir. Et à l'époque, j'aimais le général Barat. Moi, je dopais souvent les gars. Je dopais avec mon discours, je dopais les gars. Ils ne peuvent pas. On me montre le gars, on me montre l'image du gars qui avait fait le truc. Je dis, c'est pas un problème. Je dis, je crois que c'était j'avais soufflé à un des gars que trouvait non seulement l'aiguille. Moi, j'avais seulement le dégonflé avec l'aiguille. Ça, c'est la technique qu'on nous avait donnée dans mon quartier. J'ai dit, trouvez-moi l'aiguille. Je vais dégonfler ça. Ces muscles-là, c'est le pomper. Je vais mettre les guides là-bas, je décoffre, ça mouf, on part. J'ai dopé les gars, il dit, comme les autres sont partis, on doit les défier. Allons, nous avons la mission. Et Nia, c'est quelqu'un, c'est aussi un homme courageux. Le gars démarre la voiture. On t'avait d'autres, sur 7. Il y avait celui, comment on l'appelle là, il parlait beaucoup comme ça. Un jeune là, à l'époque, qui faisait aussi des reportages. Comment j'oublie. Oh là là, comment j'oublie le nom du jeune frère là. Il bavardait trop comme s'il faisait souvent les reportages sur nos pages. On les met, Jansan, voilà. Jansan, c'était motivé. Jansan mettait. Disons, bagarre tout le monde. On entre. Il y avait, oui. Est-ce que la pureté là? On démarre. C'était.
Et les gars pétaient le bidon. On va vous massacrer. Donc tu dis au gars, dis donc. Si c'est pour mourir, on va sûrement mourir. Les autres avaient fui. Quand on arrive là-bas, nous sommes arrivés, nous sommes quittés à 6h, nous sommes arrivés à Nice à 19h. Dès qu'on arrive, non, quand vous êtes en symbiose dans votre groupe, même si vous êtes une minorité, c'est pour ça que je vous fais marcher. Même si c'est deux personnes, s'ils sont courageux, moi ça me suffit. Nyak Barat et les autres, les gars, quand ils viennent, c'était quand on est arrivé dans Nice là, c'était comme si c'était la folie. Le petit nombre, on a commencé seulement à bloquer, donc nous sommes venus. Même le colosse a disparu. Parce qu'il n'a jamais vu des gens avoir le das malgré la menace. Les gars ont dit que non, si les gars viennent comme ça, ça veut dire que c'est chaud. Toi, tu viens chez quelqu'un. Quelqu'un te menace. Mais tu décides, tu viens chez lui. Tu ne viens pas. Tu... Quand nous sommes arrivés, on a attaqué directement. Barat a commencé. On a commencé à lui. Ça, les invités même étaient dépassés. Ils disent, dis donc, les gars qui de Bruxelles, de Paris, venez faire ça. Nous, on n'entre plus. C'est les invités hein, qui commencent à nous applaudir. Ils ont raison. Et à l'époque, la maman Ekolo, c'était son coin. Elle était en réunion. Elle voit dans le direct, elle dit à une de sa copine que mes enfants sont là, je ne peux pas terminer la réunion. Moi, je m'en vais au combat. Quand maman Ekolo vient, parce qu'elle est la police, elle est la police. Maman Ekolo attache seulement son truc. Elle dit au policier là, parce que la police avait appelé le renfort. Il y avait peut-être 10 policiers là. Quand maman Ekolo vient, elle dit, j'attendais cette rencontre depuis. La femme qui est dedans là, c'est ma belle-sœur. Elle l'attache donc, comme au pays là. Elle avait le pagne, un pagne. Elle attache le pagne au rein. Elle dépose son sac. Elle dit, ici là, je vous préviens, dit au policier, je vous préviens, c'est des corps qui vont tomber ici là. Le policier commence à appeler sur un rapport que c'est chaud. Les mamans là ont mis le chaud. Et c'est comme ça que ça a été gâté. Le gars, le colosse là, j'étais souvent, c'est mon corps aujourd'hui. Il vient dans les manifestations. Ceux qui le connaissent, qui sont dans le direct, le connaissent. Aujourd'hui là, il vient dans les manifestations. C'est mon corps. C'est mon corps. On est devenu corps. Le même soir, le gars nous a vu présenter les excuses. Que vraiment, je ne savais pas marcher tout et tout et tout. Aujourd'hui là, il aime le combat. Plus que certains combattants. Tu entends ça? Toi là, tu parles. Tu connais le combat que nous menons là. Idiot. Le gars dans le combat. Aujourd'hui là, le colosse là. Qui disait qu'il va nous broyer. Parce que lorsque vous menez une lutte juste et noble, personne ne peut. J'avais deux dossiers ce soir. Vous savez, moi j'aime les divers. Si c'est les divers là, c'est ça qui bouffe souvent mon temps. Parce que j'aime le Japon. J'avais deux sujets. Mais je vais. L'autre sujet, on va peut-être ouvrir. L'Assemblée nationale. Hein? Avec Kaba Yobidi. Le voice que vous avez écouté là, je voulais bien insister dessus. Mais je pense que je vais revenir un autre jour. Mais tout ce que je vais dire. Parce que les gens ont laissé passer cet audio. Mais il s'agit du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Qui explique, qui lui dans cet audio démontre que la séparation du pouvoir au Cameroun est, c'est de l'utopie. Ça n'existe pas. On est dans un régime hyper présidentialiste. Pour celui qui contrôle le pouvoir, on assiste aujourd'hui à une centralisation du pouvoir. Hyper, hyper centralisation du pouvoir. Vous avez écouté cet audio. Mais les gens ont laissé passer ça. Mais c'est grave. Si on était dans une république, je dis bien si nous étions, parce qu'on n'est pas dans une république. Moi, je n'y crois pas. Si nous étions dans une république, le président de l'Assemblée nationale devait être
entendu. Il devait avoir une commission parlementaire qui devait lui donner des explications. On devait même enlever son immunité parlementaire qui s'explique. Dans son audio, j'ai pas le temps. Je voulais parce que moi j'ai un sujet là qui m'intéresse. Le sujet des taux. Le deuxième. Mais l'autre aussi est très important. Le type démontre que, en fait, l'Assemblée nationale camerounaise est une caisse à résonance. Le patron, c'est Paul Biya. Et qui explique les manœuvres de fraude électorale. Toi, tu dis que vous avez gagné comme tout là. Ah, écoute donc. C'est le président de l'Assemblée qui parle. Il dit que la personne, le député, Coma Gaston, député du CAM, a été battu. Ils l'ont repêché. Mes frères, si la situation du Cameroun ne vous interpelle pas, si vous croyez que c'est des amusements, c'est le jeu, méfiez-vous. Si vous croyez que c'est du jeu, méfiez-vous. Ces grabataires, ces vieillards ne sont pas prêts à lâcher. Parce que cette histoire n'a rien à voir avec les principes de notre République, de démocratie. C'est une guerre d'intérêt. Même si Koba, c'est un autre malhonnête. Ouais, parce que Koba lui-même n'est pas clair. C'est un autre schéma. Mais le mal de Koba, c'est que Koba a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la présidence de Kabayégué Djibril. Et ça, il ne supporte pas. Donc la façon dont ils ont décidé d'orienter l'avenir de ce pays, personne ne peut lever la tête quand ils sont là. Et bien, écoutez, il a dit à Biya, je veux la tête de ce gars. Biya a exécuté. Pourquoi? Parce que Biya, pour garder, pour conserver son pouvoir, il a besoin de composer avec certains élites de nos nations, dans certains contrées. C'est pour ça que l'élite camerounaise est une élite dangereuse pour la survie du peuple. Paul Biya a dessiné son schéma politique. Il y a des élites qu'ils ramassent dans des régions, pas parce qu'ils vous aiment. Mais c'est que ces élites-là lui permettent de garder sa position de pouvoir dans certaines régions. Et pour le cas du Nord, c'est pour ça que quand Kabaye voulait la tête de Mamadou Mota, on lui a donné la tête de Mamadou Mota. Voilà le deal qu'ils ont organisé. Chacun organisait le deal. Partout. Dans le littoral. On sait avec qui on peut dealer. Au nord, on sait avec qui on peut dealer. À l'ouest, on sait avec qui on peut dealer. Et ces élites-là doivent encadrer le sentiment de désolation de tous les peuples. Donc, toi qui crois être dans le régime, que tu as la faveur et la grâce, parce que il dit dans cet audio que c'est Paul Biya qui fait la proposition qu'on a. Même si Paul Biya te propose, ce n'est pas une garantie de suivi à la tête de cette institution. Pour sa vision politique, pour son besoin et pour sa suivi politique, toi qui peux être considéré comme son chouchou, le jour où il se rend compte que ça peut le mettre en difficulté dans une région liquide. C'est pour ça que quand l'autre a dit, je veux sa tête, on t'a liquidé.
pitié. Vous faites pitié. Nous on fait pitié. Hein. Quand on vous dit la vérité, ça vous choque. Je te bloque d'abord. Oh, il va même me gâter mon direct. Je te bloque d'abord. Même si tu gardes le direct, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les démons comme ça. Je te fais pitié. Quand on vous dit la vérité, ça devient je fais pitié. Manque d'arguments. Pobia ne blague pas. Quand il sait qu'il doit vous liquider, il ne s'amuse pas. Donc personne n'est à l'abri. Tu peux danser, tu peux jubiler, tu peux croire que tu es dans les grâces de Pobia. Mais le jour où Pobia, c'est que si c'est ta tête qui doit écraser pour qu'il garde son pouvoir, il n'hésite pas. Te voilà aujourd'hui, Gaston combat. Oh là là, excusez-moi, mon support m'a lâché. Voilà les conséquences. Oh là là, voilà les conséquences. Tu me connais pas. Toi, tu penses que tu vas me menacer. Tu me connais pas. Tu peux me menacer. Je suis capable d'arrêter comme ça. Je fais mon direct. Toi, tu ne nous connais pas. Nous, on est des voyous. Le support là, tu veux devenir têtu, tu ne nous connais pas. Nous, on n'est plus têtu, hein. Laisse-moi un problème. Je m'adapte à toutes les situations. Je suis prêt à brûler ma mère. Tu peux me bloquer. Oui. Que passe mon temps? Tu es malade, toi. Excusez-moi. Nous, on fait avec les moyens de bord. Tu attends ça. Donc, voilà quelqu'un qui croyait qu'il avait les grâces, la grâce de la présidence, qui vient, qui se comporte. Comme il pense. Parce qu'apparemment, le règlement intérieur lui donne certaines prérogatives. Parce que le truc, le deal, c'est quoi? Le deal, c'est une guerre d'intérêt. Il y a des proches de Kaba Yegri Dibril qui veulent que ce soit l'assurance SIA. Parce qu'il y avait un marché d'assurance au Parlement qu'il fallait gagner. Lui, le secrétaire général, lui veut introduire l'assurance Atlantique, le groupe Atlantique. Parce qu'ils font aussi dans l'assurance, c'est une banque. Ils font aussi dans l'assurance. Comme certains députés dont ont leurs actions, la plupart, certains députés ont des actions à l'entreprise, l'assurance SIA. Donc, ces députés proches de Kaba Yegri Dibril estimaient qu'il fallait juste prendre l'assurance SIA. Le gars d'Ignette, qui ne peut pas, lui, il veut. Et depuis un certain temps, parce qu'on l'avait sanctionné en janvier. Mais il faut rappeler que depuis un certain temps, il mettait en difficulté la finance. Quand Kaba demandait de décaisser des niettes, il faisait comme lui pensait. Ça mettait en difficulté, sachant que Kaba était déjà grabataire, parce qu'il a plus de 82 ans. Aujourd'hui, c'est un autre grabataire. Hein? Lui étant fatigué, donc, le gars, lui, avait la vision qu'après les Kaba Dibril, là, c'est eux qui vont prendre cette histoire de la présidence de l'Assemblée nationale de l'Ukraine. En tant que secrétaire, c'est lui qui avait toutes les manettes, hein, toutes les manettes de cette institution dont le gars décidait et gérait comme il pouvait. Et ça, ça énervait Kaba Yegri. C'est pour ça que Kaba Yegri a demandé qu'il y ait un détachement, qu'on puisse faire des bureaux dans sa localité. Parce que lui ne voulait plus travailler avec son secrétaire partuel. Il avait un malaise depuis. C'est pour ça qu'il a demandé la reconstruction d'un bureau là-bas tout près pour qu'il puisse vivre. Parce que de temps en temps, c'est les gars qui sont... Ils ne travaillent pas plus au Cameroun. C'est les gars qui jouent seulement des avantages de la République, mais ils sont réfugiés chez eux tranquillement. Lorsqu'il faut travailler ou bien être là pour travailler, pour donner l'expression exacte du peuple, les gars sont démissionnaires. Donc, ce garçon, lui, avait un sursaut de modernité sur la vision du Parlement.
mais qui mettait en difficulté les intérêts. Parce que l'Assemblée nationale, Kabaye, il est depuis qu'il est là-bas, il y a toutes les ramifications, il y a tout un réseau là-bas, bien huilé. Donc ce gars voulait déjà piétiner ce réseau. C'est comme ça qu'on l'a rappelé de manière brutale. Que écoute, c'est nous qui t'avons sauvé. Tu es là pourquoi? On l'a remis au quartier. Donc Paul Biya ne blague pas. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il évolue. Kabaye, il a dit, je veux sa tête. On l'a liquidé. Il s'en fout. Donc tu peux le célébrer, tu peux danser, tu peux dire Paul Biya, c'est nous qui avons le pouvoir. Le jour, même si tu es son frère, pour son intérêt, s'il sait, s'il mesure là, il sait que l'autre a plus de rapport, que s'il soutient, s'il te soutient, contrairement à l'autre, il risque d'avoir à perdre, il risque de perdre le nom. Il te liquide. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un sujet qu'il faut qu'on revienne, parce que l'audio de ce monsieur nous rappelle de comment il gère la République du Cameroun. C'est pas une république, entre guillemets. Le Cameroun n'est pas une république. Mais allez écouter la façon dont le président de l'Assemblée nationale du pays, de mon pays, s'exprime. Vous allez comprendre que ce n'est pas un pays. Et voilà pourquoi nous battons chaque jour pour donner une autre image à ce pays. Ce pays regorge tellement de talents, tellement d'experts, tellement de talents, tellement de génie. Que mais regardez le leadership qui nous gère. Un leadership coulant. Un leadership immobile. Et ça, vous croyez que nous autres là, on peut regarder des gens comme ça, dire qu'ils sont nos présidents, c'est ceux qui nous gèrent. Si vous acceptez la bêtise, tout Camerounais n'est pas prêt à accepter la bêtise. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, la bêtise ne peut pas me contrôler. Je ne supporte pas. La bêtise ne peut pas me diriger. Écoutez, si vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes, moi, je suis fier. J'ai du mal à dire que Paul Biya est mon président. J'ai du mal. Parce que je sais ce qu'il représente sur le chèque international. Il n'a aucune influence. Tout son trophée, c'est le trophée de la longévité au pouvoir. Voilà le seul trophée. Et les gens pensent qu'il est fort. Pour vous, si ça vous amuse, nous, ça nous choque. Et je ne peux pas prendre tel président comme mon président. Je ne peux pas, je suis désolé. Un président qui ne s'adapte pas avec la vision moderne du monde. La plupart de présidents sont en train de tuer aujourd'hui pour s'exprimer. Ils utilisent les réseaux sociaux. Mais Paul Biya ne tweet pas. Il ne connaît pas. Il avait les moyens du Moyen-Âge. Comme je veux même m'exprimer comme papillon. Il utilise encore les méthodes du Moyen-Âge. Et vous voulez que ça parte où? Alors que le monde qui se présente à nous, c'est un monde de défis. Nous sommes dans un monde globalisé. Ce type nous retarde. Ces gars nous retardent. Et si on n'est pas conscient de ça, je suis, c'est grave. Et ce qui me désole, c'est que vous avez donc certains jeunes qui accompagnent ça, qui saluent, qui applaudissent. Je vais revenir sur le cas des taux. Parce que voilà quelqu'un que depuis quelque temps, des Camerounais, Abdesi commence à saluer, à acclamer. Je suis content parce que les événements commencent à nous donner raison. Parce que quand on s'exprime, les gens estiment que c'est sur la base de la jalousie, que c'est la jalousie qui parle entre nous, en nous. Oh, c'est faux. C'est que le combat que nous menons pour doter notre République de nouvelles institutions, pour doter une nouvelle image à notre pays, on n'a pas besoin de faire du racolage, de combattre les brèches. On a besoin de travailler parce que ce qui se passe dans notre pays est systémique. Et quand je parle qu'il est systémique, ça veut dire que sur le plan des mentalités, nous avons régressé notre pays. Et on ne peut pas penser le développement et la modernité de notre nation, de notre république, de notre société, sans toutefois s'attaquer sur la mentalité des Camerounais. C'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre à la tête de ce pays, le Cameroun nouveau que nous recherchons. On ne peut pas mettre à la tête de ce pays des gens qui font du bricolage.
des gens qui se fabriquent une image sur les réseaux sociaux, qui font des communications spontanées pour narguer le peuple, qui, la plupart du temps, sont dans des tartufferies incroyables, pour faire croire qu'ils sont avec vous. Et je vois la plupart des Camerounais naïfs courir à aduler. Nous, on ne nous prend pas comme ça. Parce que pour nous, la politique est une discipline noble. Et quiconque s'y jette dans cela doit aussi s'efforcer de se charger de la noblesse pour qu'on l'écoute et pour qu'on le suive. Si toi, on te flatte avec des bonbons, si toi, on te flatte avec des petits chocolats ou avec des petites miettes, les nous autres pour nous flatter. Nous, on a besoin de voir la valeur intrinsèque qui ressort en toi. Tu entends ça? Si toi, tu veux, si nous là, on doit t'apprécier. Parce que nous, on est très chiches en compliments. D'abord, c'est ce qu'il faut rappeler. Nous sommes très chiches en compliments. Pas parce qu'on ne veut pas donner. C'est parce qu'on a peur. Moi, je suis sorti ici une fois, j'ai défendu quelqu'un aîné. Je ne regrette pas ça. Je l'ai défendu, je ne regrette pas. Parce qu'il était attaqué. Mais je n'étais pas naïf. C'est pour ça que le jour où on va se décider à répondre, ou bien de dire, vous le connaissez tous, c'est Danny Scorpion. Les gens m'ont appelé, mais ton Danny, voilà comment il dérive. Lui-même, personnellement, je lui avais dit, écoute, grand frère, je veux comprendre que tu es libre. Mais écoute, nous autres, nous avons observé la scène politique camerounaise. Nous n'avons été sevrés d'un véritable leadership depuis des années. Il n'y avait personne. Et c'était une rhétorique qui était développée par Paul Biya et les gars de son régime. Ou lorsqu'il y avait campagne, avant 2018, ceux du régime te disaient sur les plateaux, on ne parlait même pas de programme politique. Tu vois un gars du régime du RDPC. Le gars du RDPC te dit seulement, et alors qui? Vous dites que vous ne voulez pas Paul Biya, et alors qui parmi vous? Et c'était vrai. Parce que la plupart de ceux qu'on nous présentait, c'est pas des gens, c'était des rentablants politiques. Pas d'aura, des amuseurs politiques. Ça décourageait plusieurs. Nous, on a été dépolitisés. On n'y croyait même plus. Et quelqu'un sorti, il a ressuscité en nous le combat politique. Il nous a repolitisés. Il nous a donné l'engouement d'armer notre nation, de nous battre pour le meilleur de ce pays. Même s'il a ses imperfections, parce que c'est aussi un humain, on ne peut pas dénier ou bien nier en lui son humanité. Il peut aussi se tromper. Mais d'où vient-il que toi, qui es constitué dans le bloc du mouvement du changement pour le Cameroun, tu viens attaquer un maillon fort de notre résistance. Il n'y a pas de cohérence à ça. Je suis désolé. Par pudeur, tu devais utiliser d'autres couloirs, surtout que tu es là-bas au pays, avec eux. Si tu as des choses à lui dire ou bien à reprocher, il y a des mécanismes. Si tu as des propositions à faire pour des partis, il y a des cadres, ils sont structurés. Tu pars, tu apportes ta proposition. Mais quand tu viens vilipender sur les réseaux sociaux celui qui est pour beaucoup de Camerounais l'espoir, qui a mis en contradiction le régime de Paul Biya, non seulement sur le plan national, mais à l'international, Paul Biya ne peut plus se taguer de dire à certains Européens qu'il n'y a personne au Cameroun. Tout le monde lui dit, il y a Maurice Kamto. Et derrière ce Maurice Kamto, comme toi, tu passes seulement ton temps à chercher ses défauts. Et je me pose encore, quels défauts? Parce que ce type, moi, c'est que toi, tu vas appeler défaut. Moi, ce n'est pas défaut. Moi, tant qu'il n'a pas trahi le combat pour le peuple, pour la libération du peuple, pour moi, il est encore bon. Parce que c'est le vrai débat là-bas. La plupart utilisent la politique ou bien la contestation politique pour atteindre certains objectifs. Mais lui, il utilise la contestation politique
pour donner un meilleur aux Camerounais. Et vous le voyez, quel est l'homme le plus muselé? Vous avez vu aujourd'hui, il y avait une formation, un séminaire de formation. On est venu l'interdire. On refuse. C'est pas le MRC qui organisait. C'était une institution qui organisait dans un qui invitait des gens pour une formation de communication. Mais on a bloqué. Tous ces éléments nous prouvent en réalité que c'est le véritable leadership de l'opposition camerounaise. Mais quand tu viens l'attaquer, tu crois que nous on peut t'encourager dans cette bêtise-là? Jamais. Et ça nous inquiète davantage. Parce que j'ai toujours dit, méfiez-vous des gens qui viennent avec de beaux discours. Qui commencent à dire, vous les Bamlékés. Parce qu'il y a certains qui pensent que ce combat que nous menons serait un combat pour les Bamlékés. Il y a même d'autres qui se disent que... Il y a d'autres, hein, moi je connais. Certains qui ne sont pas Bamlékés dans le combat. Qui disent, c'est qu'on ne veut pas seulement parler. On les connaît. Qui dit que laisse, je suis dans le combat des Bamlékés. Je soutiens les Bamlékés. Laisse, t'inquiète, tu suis. Il dit, hein, il est dans le combat. Le gars dit karma. Et moi, les gens comme ça, peut-être vous ne connaissez pas. Nous, on enregistre, on rit. Il est combattant. Hein? Il dit, je suis dans le combat des Bamlékés. Donc, il y a certains qui viennent. Non, ne soyez pas naïfs, c'est la même stratégie. Il commence. Le peuple Bamléké, c'est un grand peuple. Vous aussi, naïvement, vous vous accourez. Vous acclamez. Vous faites, vous sentez, ouais. Après, vous lancez les bombes. Vous êtes surpris. Pour vous dire vrai, je vais le dire. Quand je descends, quand je le soutiens, pour les attaques qu'il avait, c'est un combattant, un frère que j'aime beaucoup dans ce combat, qui me dit beaucoup de choses, qui est mon œil dans le combat, que j'estime beaucoup, qui est aussi proche à ce Dany, qui m'appelle nuitamment, il me dit, Joe, notre gars est en difficulté. Et comme je fais une confiance à celui qui m'appelle, il me dit, Joe, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire quelque chose. Je dis, ah bon, vas-y, voilà. Pour faire plaisir, non seulement plaisir, parce que ce gars, c'est mon œil. Il ne s'est jamais trompé. Parce que personnellement, je ne suis pas l'ami, pour vous dire vrai. Aujourd'hui, je peux le dire. Mais c'est un aîné que j'appréciais, comme ça. Mais je ne le suivais pas trop, parce que, excusez-moi, moi, quand j'écoute une personne une seule fois, je peux savoir le fond. Parce que cette duplicité en lui me dérangeait un peu. Et je savais un peu l'approche, je savais. C'est un peu pareil. Mais par respect, je suis resté. Mais comme pour moi, c'est quelqu'un qui parle au pays. Et que les autres, moi, c'est qui m'énerve. J'aime pas quand on menace les autres parce qu'on a un peu de pouvoir, on menace les autres. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas, il peut mourir. C'est pour ça que je suis sorti, j'étais énervé. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Mais, je suis déçu. Et j'ose croire qu'il y a un complot contre Maurice Kamto. Qu'on ne le vaut pas, je crois. Pourquoi il est difficile pour certains d'assumer ce leadership? Vous n'existiez pas avant. Le chat était libre. Il fallait organiser votre leadership. Quand on sort, on lui donne ce leadership, il a ce leadership qui est accepté de tout le monde. Mais d'où vient que vous voulez combattre ce leadership? Mais travaillez votre leadership à vous. Est-ce que vous avez forcément besoin de mettre, c'est ce qui s'est passé aussi dans la diaspora, de mettre les bananes pour que quand on glisse, pour que vous existez? Jamais. Nada, no one day. Vous mentez. Ça va être trop difficile, vous mentez. Vous mentez. Vous allez tromper les naïfs. Tu n'as pas besoin de détruire quelqu'un pour exister. Et c'est regrettable. Et tu me dis que ça, on est dans le même combat, jamais. Donc méfiez-vous. Les gens qui viennent là pour marcher, quand quelqu'un commence ça, j'aime les bambins, il faut l'avertir. Moi, on ne me défend pas, on ne défend pas ma tribu, on ne me défend pas. Tu ne parles pas, bon, non. Laisse ça.
Moi, quand quelqu'un vient me dire que j'aime les barbecues, je peux dire, non, non, je me méfie. C'est des dangereux, ils sont plusieurs. D'autres, soit ils commencent comme ça là, c'est pour attaquer l'argent après. Après, ils vous lancent un projet. Ma bouche, Tchoumbo et sa bouche. D'autres, quand ils vous flattent comme ça, on lance les grands projets après. Parce qu'ils disent que les Bamiléka ont l'argent. Qui vous a dit que les Bamiléka ont l'argent? Les Bamiléka n'ont pas l'argent. Les Bamiléka savent juste être solidaires. C'est un fait culturel en eux. C'est comme ça qu'ils vivent. Leur doctrine à eux, que celui qui a réussi dans une famille ne laisse pas les autres indigents. Hein? L'indigent, l'indigent, c'est la grammaire de la pauvreté. Tu entends ça? Donc, dans les familles là, on va faire les maplans, les calculs. On va pousser un. Le père va lui dire, n'oublie pas les autres. C'est non seulement culturel, mais c'est aussi spirituel. Parce que même si le père meurt, le jour où tu oublies, les ancêtres te poursuivent. C'est pour ça que tu attaches le bâble quand ça ne va pas. Je me retourne voir mes ancêtres. Nous-mêmes, on a fait ça. Nous, on croit aux ancêtres. Toi, dis que c'est la sorcellerie, nous, on s'en fout. Ce que mes grands-parents ont fait par le passé, est-ce que je vais renoncer à ça? Non. Nous, on fait ça. Tout à l'heure encore. C'est mon frère. Bon, ma bouche. Mon frère me dit que il m'appelle. Il y a une de nos grand-mères qui doit faire la couture, machin truc. Ah, mon frère me dit, moi je suis fatigué. C'est quoi ça? Oh, je comprends son truc. C'est que lui, il estime que la grammaire dans ses plats. Parce qu'il y a d'autres sur là-bas. C'est leur business. Il y a d'autres là-bas comme ça, c'est leur business. Ils savent que pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, ils t'écrivent un truc là-bas. Il faut qu'on fasse ça à tel ancêtre. Ils réclament ceci. D'autres font de ça leur business. Donc le gars disait, et ma mère, c'est ma mère qui l'a appelé. Que lui dit, vous devez tous participer. Il faut donner à votre grand-mère l'argent pour qu'elle fasse le truc. Or, mon frère lui estime que c'est un business que la REME veut organiser. Donc il m'appelle. Parce qu'il sait que moi, partout, je rationalise d'abord. Même dans la tradition, je rationalise. Donc quand il m'appelle, il me dit, je dis, ah bon, hein? Ok. J'ai dit, okay, on va étudier ça. J'ai dit, bon, on t'a dit le pourquoi. Il me dit, on ne m'a même pas dit le pourquoi, on m'a seulement dit dans l'argent. J'ai dit, non, moi, il ne fonctionne pas comme ça. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On doit dire. Et que ça, c'est pas ça. Maintenant, si grand-mère veut les jetons, qu'elle dise qu'il faut les jetons. Il ne faut pas instrumentaliser la coutume. Oui, il faut être prudent partout. Mais j'estime que grand-mère ne ment pas. Pour le moment. Tchoumbo, ta bouche. Mais c'est ça. C'est important. C'est des principes spirituels que nous ne pouvons pas renoncer. Mes grands-parents, mes ancêtres sont passés par là. Je ne pourrais pas. Ils sont des valeurs. C'est que ces peuples, ils le savent depuis. Le principe de solidarité.
C'est tout. Et que les ancêtres ont su codifier cela dans nos sociétés. Maintenant, c'est vrai que la modernité tente à briser cela. Parce que de plus en plus, il y a des riches voyous. Hein. Certains riches voyous dans nos contrées là-bas. Le gars à son aïe ne regarde personne. Même si on le body s'en fout. Mais c'est des principes. Donc méfiez-vous. Des gens qui viennent vous raconter n'importe quoi, etc. Et machin, tout. Méfiez-vous, vous n'avez pas besoin de ça. Dites-leur qu'on se bat pour le cas du Cameroun. S'ils ne sont pas considérés en tant que Camerounais, ça ne vous sert pas le combat des Américains. Il faut enlever ça dans la tête parce que les gens pensent. Or, si la multitude est engagée, il faut leur rappeler que c'est une histoire. C'est le seul peuple qui a mis en difficulté le colon et le colon l'a reconnu. Vous avez lu Lamberton. Il a dit, nous allons dans cette histoire, mais avec un caillou dans la chaussure. C'est le peuple qui a décidé d'être insoumis. C'est une lutte. C'est pas pour rien qu'on a décimé des villages. Si on décime des villages, c'est parce que la résistance était farouche de ce côté. Si vous voyez les blancs prendre, utiliser, et c'était les armes chimiques. Hein. On a utilisé les armes chimiques pour dessiner nos grands-parents. Et quand on te dit qu'on utilise les armes chimiques, ça veut dire que sur le terrain militaire, les gars étaient très avancés. Ils mettaient en difficulté les blancs et leurs complices. Parce qu'il y avait nos frères qui luttaient à l'intérieur. Donc, ils étaient donc obligés d'utiliser des armes non conventionnelles pour décimer des villages. C'est un peuple qui a toujours résisté. C'est pas aujourd'hui. Donc, comme vous les voyez là tous, ce peuple-là, c'est endémique, c'est en eux, ce combat. Donc, ça n'a rien à voir. Il a été juste. La sélection naturelle a voulu que Kamto soit l'homme. Mais tous ceux qui sont rangés du côté de l'opposition, allez voir, Kabra Libi, lui-même Kabra Libi le dit. Lorsqu'il décide de se mettre candidat, la plupart des gars qui l'ont soutenu, c'est la jeunesse Bambéké, qui l'ont porté. Il le reconnaît même financièrement. Ces gars croient au combat, le meilleur. Et le but, qu'on cesse de vous tromper, que le but de ces gars, parce que la vision de plusieurs Bambéké, ce n'est pas une vision hégémonique. En tout cas, moi, je ne partage pas ça. Et ce serait impossible de gérer le Cameroun sans partage. Impossible. Personne ne peut gérer le Cameroun sans composer avec les autres. C'est impossible. C'est vrai que Paul Biya a le pouvoir. Mais Paul Biya est obligé de dialoguer, de discuter avec certains. Il est obligé d'organiser le deal, la mafia. Quand tu vois ce qu'il fait avec les Kabaye et Bedibi, c'est parce que les Kabaye et Bedibi ont un panne de pouvoir. Ils ont une partie de pouvoir qu'ils ont concédé. Ils l'ont aligné en Paul Biya. Mais Paul Biya reconnaît que, ah non, ils ont un pan de pouvoir. C'est pour ça que quand Kaba il dit que lui veut la tête de Gaston Comba, Paul Biya n'hésite pas. Même si c'était la proposition de Paul Biya le liquide. Il faut être conscient de ça. Donc, je vais finir. Ma batterie me lâche, frère. Peut-être on va revenir. Et ton fils, son dossier, ça m'intéresse. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, son dossier. Mais on doit revenir sur son dossier. Parce qu'il y a beaucoup d'amnésiques et d'aveugles. Je suis déçu et déchiré. Vous avez vu. Parce que la sortie, le gars fait des sorties spectaculaires. Et moi, je suis très gêné, hein, franchement. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin, forcément. Même si aujourd'hui, on est dans un monde des réseaux sociaux. Mais il y a des choses que, forcément, on n'a pas besoin de faire une campagne médiatique quand on fait du bien à certaines personnes. Nous sommes en train de perdre certaines valeurs. Nous sommes en train de perdre. Quand vous voyez quelqu'un faire la com sur des choses aussi simples, aussi naturelles, aussi basiques, sachez qu'il y a un banditisme derrière. Sachez que toute action posée est politique. Il y a une volonté. Il y a un but. Et pour moi, c'est dangereux. Que les fanatiques là, calmez-vous. J'ai pas le temps, ma batterie me lâche. Demain, je reviens sur le dossier de Tho. Parce que vous blaguez. Vous embrouillez, vous marchez, vous sautez, vous gesticulez et tout. Vous êtes malade.
La mafia. Quand on est dans la mafia, on se protège. Tu entends ça? Si la mafia, tu n'arrives pas à dénoncer la mafia, et que tu deviens un élément de la mafia, tu penses que moi, je peux te suivre. J'ai vu les gars que je respectais, qui ont perdu la lucidité quand il s'agissait de ton fils. On va revenir sur le dossier demain. Demain, j'aurai les ennemis. J'aurai les ennemis. En tout cas, moi, ma vie est faite d'ennemis sur ennemis. Tu comprends un peu, non? Ce qui nous a forgés et ce qui nous a rendus aussi durs comme ça, c'est parce qu'on a trop d'ennemis. Et nous, ça nous plaît. Nous, on préfère vivre dans un monde où on va dire la vérité et avoir beaucoup d'ennemis. Que de vivre dans un monde où on va dire du mensonge et avoir beaucoup d'amis. Nous, on n'est pas là. Et demain, Eto ne sera pas des noces avec ses corses. Vous blaguez. Il ne s'agit pas du combat pour la libération du Cameroun. C'est un combat systémique. Tu entends ça? Toi, tu parles souvent combat systémique. Peut-être que tu n'écoutes pas. Toi, tu penses que systémique, c'est débarrasser souvent pour libérer. Tu es idiot. On doit déloger certains bastions. Hein? C'est comme Toki disait. Les bastions de résistance, des forteresses dans vos mentalités. Amusez-vous. Moi là, je m'aime. Parce que là où toi tu as peur de dire la vérité, nous on tape sec. I don't get comme. This is my life. J'aime mon authenticité. C'est pour ça que je m'en vante tellement. Si toi, tu penses que c'est l'orgueil, c'est ton problème. Nous, les Stéphane Toubou, c'est la fierté. Nous là, je remercie la providence et la sélection naturelle de nous avoir fait. Parce que nous, notre mission, c'est une moralisation de la culture politique dans notre pays. Il y a trop de bluffs et de mensonges. Donc demain, on m'a combiné. Même mes amis les plus proches, vous ne serez pas des noces. Parce que demain, votre champion et vous-même, vous ne serez pas des noces. On va vous démontrer votre contradiction. Et c'est grave. L'opportunisme, c'est un danger. Tu entends ça? Bonne soirée, les gars. Je ne veux pas que notre direct nous lâche. Dormez bien. Vendredi, on se retrouve ensemble. À partir de 11h. Nous devons dire bonjour à Paul Biya. Ou bien son représentant. Portez-vous bien. On va revenir sur le dossier et ton fils. Je vous aime. J'ai plus de temps. Je ne sais pas. Moi, j'ai un problème. Je parle, je ne m'arrête pas. C'est parce que c'est ma batterie qui me lâchait. Sans vous mentir. Si je continue, le direct va s'arrêter sans que je vous dise au revoir. Mais je vous laisse. Mais le dossier de toi est tellement sucré que non, il faut qu'on revienne dessus. Même si on ne revient pas demain. Parce que demain, c'est la veille de vendredi. On va revenir sur ce dossier. Bonne soirée.